Salut tout le monde et bienvenue sur Just Cause 4. Aujourd'hui, on va faire la première partie de l'histoire. Donc, je pense pas que je sortirai d'autres vidéos sur le mode histoire, mais je vous sortirai quelques petites vidéos comme ça dans les semaines qui vont venir, juste pour les fun. Et sur ce, bonne vidéo, les gars. Il est responsable de la démission d'une dizaine de chefs d'État. La main noire a déjà eu affaire à lui à San Espirito, où il a assassiné notre employeur, le président Salvador Mendoza. Nous l'avons affronté à nouveau à Medici, où il a renversé Sebastiano di Ravello. Bien que l'agence ait été impliquée, voici son officier traitant, Tom Sheldon. Nous avons appris que les motivations de Rodriguez pour libérer Medici étaient personnelles. Vous m'avez déjà briefé sur cet homme, commandant Morales. Nous préparons un test. Vous pouvez aller droit au but. Bien, monsieur Espinosa. D'après nos renseignements, il s'agirait du fils de Miguel Rodriguez. Mon Miguel Rodriguez ? Et ? Il est ici, à Solis, en ce moment. Alors, voilà la super arme de mon père. Le projet IAPA. C'était un type bien, mon père. Un scientifique. Pourquoi il aurait construit une chose pareille? Mon oncle aussi était quelqu'un de bien. Et ils sont morts tous les deux. Ça pose question, hein? Il nous faut des réponses. Tu peux pas faire ça tout seul. Je connais des gens qui peuvent nous aider. J'ai l'habitude de ce genre de choses. Cette fois, c'est différent. Les intempéries, ça va pas m'arrêter. C'est plus que de simples intempéries, Rico. Écoute juste ce que j'ai à te dire. Mira, un plan, c'est une liste de choses qui tournent mal. Et les listes, c'est pas mon truc. Tiens-toi prête. Quand je te connecterai à cette console, tu devras vite trouver Spinoza. Il répond à mes questions, et on détruit le projet IAPA. Ça te va? Dans ce cas... bonne chance à toi. Oscar Espinosa. Les gars, je suis vraiment désolé, mais vous pourrez pas m'entendre pendant 10 premières minutes. Donc voilà. Vérification de la radio. Je te reçois 5 sur 5. Je vais surveiller ta progression à distance. La route est barrée. Tu peux quand même passer? Bon, je vais où maintenant? Les lumières de l'autre côté de la vallée. Dirige-toi par là. Cette tour est immense. Espinosa assure qu'elle va changer le monde. Que les tornades et les ouragans deviendront de l'histoire ancienne. Et presque tous les Solisiens le croient. Le projet IAPA ne sera bientôt plus un problème, Mira. Si ton plan fonctionne. Il va fonctionner. J'y suis. Super. Suis cette conduite, et prépare-toi à un face-à-face avec la main noire. Ce sera pas le premier face-à-face. J'avance. Thank you.
À toutes les unités, restez en alerte. Ça semblait les déranger que je fouine. La main noire est composée de mercenaires très entraînés et entièrement à la solde d'Espinosa. Il a sa propre armée. Et ils sont plutôt bons. Pas assez pour moi. Contact rompu avec les six. Regroupement. Trop facile. Projet IAPA. Rico, il y a une console plus haut sur la structure. Je vois pas trop comment tu pourras... Je vais trouver un truc. Monter en me servant de la ventilation. Attention, Monsieur Espinosa demande à tout le personnel de s'abriter à l'intérieur. Un test du projet IAPA va commencer. Trouve la console. Mieux vaut que tu sois pas dehors au début de ce test. J'y suis presque. J'ai trouvé la console. Connecte-moi et je te localiserai, Espinosa. T'es connecté, Mira. Entendu. Ne t'éloigne pas de la console ou je perdrai la connexion. À toutes les unités, l'intrus a accès au réseau. Retiens-les. Je vais au plus vite pour le trouver.
sais déjà. Ici. J'ai franchi la sécurité. Encore quelques secondes, Rico, et tu pourras y aller. Je suis en train de le chercher. Ok, prends ton temps. Ça alors qu'il est au sommet de... Je doute qu'il ait pu survivre aussi longtemps. Ce n'est pas n'importe qui, Monsieur Espinosa. C'est vrai. Autant en être sûr. Oui, Monsieur Espinosa. Nous voyons de quoi le projet IAPA est capable. Monsieur. Il faut laisser du temps au cœur pour atteindre la puissance maximale. Vous pensez pouvoir l'occuper jusque-là? Ici le commandant Morales. Nous avons un intrus sur le site. Activez les défenses IAPA et engagez toutes les tours d'artillerie. La femme qui était avec Rico à l'aéroport, c'était bien qui, je crois? Oui. Occupez-vous-en, s'il vous plaît. Avec plaisir. Rico. Rico, ici Mira. Réponds, je t'en prie. Mira. Réponds, Rico. Allez, réponds. Mira. Rico, Dieu soit loué, t'es vivant. J'avais perdu ta position. Ouais, mon grappin est cassé. Tout comme ma wingsuit, mon parachute, et quelques côtes. Je dois réparer tout ça. J'ai des outils à El Abismo. Tu es où? Dans la forêt. Je sais pas où. Je t'envoie mes coordonnées. Espérons que ça marche. Bien reçu. À tout de suite. Fait chier. Ça doit être là. J'ai jamais rien vu qui ressemble à ça. Mira a peut-être raison. On pourrait rester ici toute la journée. Mira, je suis à El Abismo. Les gens d'ici doivent pas avoir le vertige. C'est aussi ton cas? Comme tu veux. Ouais. Alors c'est moi qui change. Mais j'ai un parachute en général. Bonne voie. À plus. Vous avez vu cet orage hier soir?
c'est stylé. Ah! Oula, oula, oula. Là, tout va bien? Ah. Ah. Ouais. Ah. Ouais, ça va. Tranquille, ça va. Hein. Franchement, l'eau est assez chaude. Hein. L'eau est plutôt. Ouais, bon, c'est reparti. SDF! Comment on sait? Hop, hop, saute, saute, saute. Hop, là, c'est ensemble. Ouais. Un hélico de la manoir. J'aime pas ça. Un hélico, ah. Vrai dire, ça doit être un peu inquiétant. La moitié des gens d'ici tentent d'échapper à Espinosa et à sa manoir. Allez, allez, mes frères, go! C'est vous quoi? T'as une sale tête. Tu veux de l'eau? La manoir surveille le village. Ça arrive souvent? Pratiquement jamais. Quelqu'un a peut-être attaqué leur base météo. Outils. Merci. Ah, pas le temps, même pas la politesse ni rien. Duf. Je peux pas m'attaquer au projet, il y a pas tout seul. Je suis d'accord. Je reconnais que j'avais tort. T'avais raison. Est-ce que c'est un signal de détresse? Je croyais que tu faisais plus partie de l'agence. Tiens, aide-moi. Qu'est-ce qu'on fait pour Yaba? Entre le blizzard et les tours d'artillerie, impossible d'approcher. J'ai quelques idées en tête. Je t'écoute. Attends. Écoute. Vos prochaines actions pourraient déterminer le destin de cette communauté. Je suis le commandant Morales. J'ai toléré El Abismo pendant des années. Pour maintenir l'ordre et la justice à Solis, j'ai accepté que cet endroit serve de refuge aux criminels et aux hors-la-loi. Mais cette nuit, une attaque terroriste a été menée contre une installation du projet IAPA. Le coupable avait un complice au sein même de ce village. C'est qui? Gabriella. Elle a tué mon oncle quand j'étais petite. Elle sait qu'on travaille ensemble. Si vous ne me dites pas immédiatement où se trouve Mira Morales, je devrais fouiller le village de fond en comble. Les maisons seront inspectées, l'identité de chacun d'entre vous sera vérifiée. Et toutes les transgressions seront très sévèrement punies. Vous. Luis. Où est Mira? Dites-moi où. Je dois arrêter ça. Gabriella! Lâche-le, cousine. Tu as du courage, je te l'accorde. Ton père aurait honte de voir le monstre que tu es devenu. Vous êtes des traîtres et vous pourrez partager votre déception tous les deux en prison. Qu'elle monte dans l'hélico. Méchante. Mira! Un geste.
Ah ouais, il était chaud, Rico, là. Pas le temps. Je crois bien qu'on vient de lancer une rébellion. On n'avait pas à entraîner les villageois là-dedans. On a besoin d'eux pour mettre un terme au projet, il n'y a pas. Alors, il leur faudra des armes. Il y a une usine un peu plus loin sur la route. Elle est abandonnée. Qu'est-ce qu'il y a, Vakios? La main noire, il faisait fabriquer des armes il y a des années. Allons voir ça. Oui, c'est ça. Occupez-vous de ces gens. Quiconque veut combattre la main noire est le bienvenu. Ça va aller, ça bientôt. Oui, chef. Mira, je vérifie que mon équipement fonctionne. On se retrouve à l'usine. Moi, j'ai envie de faire un truc sur la prochaine voiture qui passe. Ça va, j'ai envie de faire un truc, les gars. Celle-là, celle-là. Celle qui arrive, là. C'est toujours aussi drôle de faire ça. Hey, ça veut pas. Hey, waouh. Oh, il est chaud. Quoi? J'ai fait quoi? Ah! Ah oui, je vois. Ah, c'est vrai que j'ai un peu fait. Non, là. Allez, hop là. Du. Triangle, wingsuit. Ah ouais, lourd. Ah mince! Mince! Parfait. Wingsuit, yes. Lourd! On va vous retrouver à Casquillos Vacios avec Mira. Lourd. C'est l'usine? Sargento et Izzy ont fait des recherches. Ils peuvent t'aider à réparer l'usine. C'est qui, Izzy? Salut, je suis la hackeuse. Salut. Envoyez ce que vous avez. Ah. À votre anti-ERA, Mira m'a expliqué, c'est fait. Vous avez une anti-ERA? Un genre de mini-ordinateur sur le... Ouais, c'est non, mais non. Allez, j'arrive pas à décoller. C'est vrai que c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà, wingsuit dans l'eau. Nickel. Je crois qu'on peut bouger grâce à la caméra, je crois. Ouais, c'est ça. C'est lourd. Scan RA. Oh, cool. C'est plutôt pas mal. Il faut alimenter ah, mais j'arrive pas à décoller comme ça. Décolle, décolle. Ah. Volontiers, RA, vous indiqueront où chercher. Tôt ou tard, Gabriella enverra d'autres gars de la main noire nous arrêter. Ah. Il faut vite armer nos hommes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Descends là, je pense. Des barils de carburant. Ah, je pense que je dois faire péter les portes avec ça. Ouais, je pense que c'est ça. Ah, lourd. Lourd. Le générateur est bien protégé. Vous pouvez le couper? Je vais arracher le blindage avec mon grappin. Ah, ok. Comme maintenant, ça. Maintenant, je suppose qu'il me reste qu'à tirer dessus. Et après, je refais la même chose avec ça. Ouais, c'est ça. Oh, cool. Hop là, et le deuxième, il était... Ah, voilà. Un générateur de moins. Scan R. Ok. Vous savez où les chercher? Ah, ah. Ah. Stylé. Non. Ah. Ah, ça vient déjà marceler. C'est gentil, ça. T'as mon Nico claqué. Ah. Je t'éclate. Oh les rats. Oh, je suis dans l'hélico. Wow. Oh bah c'est nickel en fait d'être dans l'hélico. Pourquoi je peux pas tirer dans l'hélico? Je suis bloqué là non?
Je m'en occupe. Oh, calmez-vous. Calme. Chris, elle est dans l'hélico. Calme. Ah. Ok, donc on fait la même chose, je pense. Ah non. Il est où le baril? Ah là. Ah non. Ah. Faut me louper. Bon, on va faire la même chose à chaque fois en fait. Pas très compliqué, hein. Ah. Et deux, deux. Stylé. Oui. Je suis connecté au réseau de la manoir, ils arrivent. Maniez-vous le bidouilleur. Mais ils étaient déjà là. Wow, tu parles mieux par contre. Toi la queue, je vais te démonter. Bra. Div. Div. Voilà le dernier. Oui. Oh ouais, y'a une caisse là. Générateur tous neutralisés. Et les hélicos viennent de s'ouvrir. Ouvrir. Des hélicos et des troupes viennent par là, Rico. Oh lourd. Mieux vaut démarrer cet endroit où on devra les affronter avec des mitrailleuses. Oh calme. Entrée dans le terre électrique. Ah je vois. Ouais. Ah. Ah. C'est vous le transformateur électrique. Je suis un peu teubé moi parfois. Ouais. Tout le temps. Pas. 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 Ok. J'entre. Trouvez les disjoncteurs et actionnez-les. J'en ai un disjoncteur. Ouais, ça. Actionnez les disjoncteurs pour alimenter la salle de contrôle. Utilisez mon grappin. Je pense que prendre ça, il faut la monter, non? Je sais pas. Oh, j'attends, je sais. Ah, ah, c'était ça, dur. Voilà l'autre. Ah. Hop là, on fait l'autre. Des... Oh, calme. Et la main noire n'est plus très loin. Utilisez la commande principale. Attends, je vais prendre une caisse. Donne ça. C'est quoi la commande principale? Qu'est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu me vois? Non, faut retourner là-bas. Je sais bien, je sais bien. Depuis tout à l'heure, ils sont là à me coller. Alimenter l'usine. Mira, la production peut reprendre. Voilà, tout le monde. Wow, par contre on m'a enfermé là. Oh, c'est super gentil ça, ouvrir la carte. Ah ouais, lourd. La ligne de front est représentée par ces lignes sur votre carte. Il s'agit de l'endroit où l'armée du chaos repousse la main noire. Ah ouais, en gros mes potes quoi. Cette icône représente une unité déployée. Ok. Sécurisez les régions en avançant ou déployant vos unités sélectionnant Washikuni. Washikuni. Sécurisez la région en donnant l'ordre d'avancer. Vos unités avanceront et la ligne de front suivra. Avancez. Mais là, ils ont disparu, c'est tout ce qu'ils ont fait. Ah non. Oh, cool. Donc là, j'ai débloqué ça. Ah ouais. Faut fermer super la carte. Ok. Allez, oh, c'est dur. Oh ouais, pas attendu. Rico, tu devrais retourner dehors. Ouais, parce que je crois que c'est un peu le... C'est la guerre, quoi. Les gens. Hey. Ouah, c'est quoi ça? Ah, c'est les poteaux, non? Ouais. Ouais. Ah, ils sont prêts, hein. Ils sont chauds. Tu nous as déniché ces armes juste à temps. La main noire est en train de déployer ses hommes sur notre rive. Il va nous falloir plus de combattants pour gagner du terrain. Vous avez des idées? On s'est engagé après ce que vous avez fait dans le bidonville. Semer à nouveau le chaos. Des nouveaux nous rejoindront. Une vraie armée du chaos. Alors c'est ce que vous vouliez depuis le début. Oscar Espinosa a la main mise sur cette île. Ceux qui essaient de s'opposer à lui perdent leur travail, leur maison.
Et même s'ils arrivaient à se soulever, quelle chance ils auraient contre la main noire? On veut la même chose, Rico. Aide ces gens à vaincre la main noire. Et on t'aidera à attraper Oscar Espinosa. D'accord, Mira. On fait comme tu veux. On commence où? J'ai plein d'idées, Rico. J'envoie les infos sur votre œil magique. Une véritable armée du chaos. Ouais. L'armée du chaos. Opération voile blanc terminée. Ok. Wow, par contre, calmez-vous, non? Trop d'explosions là. Calmez-vous. On peut donner des coups de rabat comme ça, c'est lourd. Ok. Jauge du chaos. Vous pouvez avancer votre ligne de front. Votre armée a besoin de nouvelles unités. Pour inciter les gens à vous rejoindre, détruisez les infrastructures et les véhicules de la main noire. Vous obtiendrez des points de chaos. Vous recevez une notification quand vous aurez assez de points de chaos pour recruter des gens. Pour recruter des gens dans de nouvelles unités. Cool. Tirer là, on appuie sur. Tirer une grenade, appuie sur R1. Ah ouais, lourd. Ok. Rico, c'est moi, Luis. El Sargento. Écoutez, j'ai réuni quelques personnes et on a une surprise pour vous. Je vous envoie les coordonnées. Ah, calme. C'est où ton truc là? El Sargento. Sargento. Bon, tu m'envoies les coordonnées ou pas? Ah, c'est là, lourd. Derrière les lignes. Ah, c'est là. Ok. Let's go. Brrr. Moi, c'est comme ça qu'on atterrit. J'ai... Derrière les lignes, commencez. Allez, on commence. Ouais. Les trucs récupérés sont des munitions standards de la main noire. Mais j'ai aussi trouvé ça. On voulait pas le faire de conneries. Il aurait oh, trop bien. Belle trouvaille, Sargento. Ça pourrait nous servir. Quelqu'un, un tournevis? Vous allez l'ajouter au grappin? Sans déconner. Savoir se débrouiller avec ce qu'on a. Vous allez faire quoi avec ça? Truc de ouf! La main noire arrive, Sargento! Eh merde! Allez, je vais conduire le camion. J'ai un hélico prêt à partir avec tout ça. Mon job, c'est que vous arriviez entier. Ouais, merci beaucoup. En route! Ok. Lourd. Donc là, les gars, on doit. Ils arrivent. En avant. Ok. Escorter Sargento jusqu'au point d'extraction. Ce ballon est plutôt cool, hein? Comment en fait juste pour changer d'arme? Ça pourrait nous servir. Vous prendre un mitrailleuse, moi. Planifier une embuscade. À El Abismo, vous avez surgi de nulle part et la main noire n'a pas su ce qui lui arrivait. C'était ah. Épique. Ah. Je vois. Ah. Oui, c'est un mauvais bouton, peut-être. Hein? C'est quoi sur la route? Ah oui. Il y a dû y avoir un combat ici. Des idées, Rico? What? Oh, comment j'ai fait ça? Comment j'ai fait ça? Hein? D'accord. Ah, on peut faire ça avec les mitrailleuses, c'est lourd. Ok. Appuie sur R2 pour le menu grappin. Ok.
Donc, modifier équipement. Cet écran vous permet de changer les équipements du grappin. Oh, lourd, donc on aura trois équipements. Ok, donc là. Donc, les équipements peuvent être modifiés à un. Équipement A est actuellement sélectionné. Sélectionner l'équipement B. Donc. Modifier l'équipement. Ah ok, les actions. Très bien. La colonne auto activera les modifications automatiquement quand vous les déploierez le lien. Ok. Les actions des colonnes appuyer et maintenir ne s'effectuent que quand vous appuierez ou que vous maintiendrez. Ok. Donc là, on met. Et là c'est quoi? Élever. Donc élever c'est ajouter un ballon de force moyenne à la colonne auto. Le ballon se les redéploiera automatiquement quand les deux liens seront en place. Et on met élevé, c'est pris pour qui? Moyenne. Ok. Pour retourner à l'aperçu de l'équipement. Okay. Ah ok, le ballon fait désormais partie de cet équipement. Ok, lourd. Ok. Ok, c'est bon. On est bien là. Donc, viser l'épave et maintenir L1 pour attacher le lien. Ouais. Super. Vous voyez, c'est de ça que je parlais. Ah ouais, je suis plutôt stylé. Oh non. Vous pensez que je fais un bon agent? Comme vous? Gardez les yeux sur la route, Sargento. Parce que je pense que je peux y arriver, j'ai toujours voulu faire quelque chose d'important. C'est compliqué. Mitrailleux. C'est bon, plus tard. Merde, encore. Je vais dégager la voie. Essayez les ballons sur ces enfoirés de manoir. Ah. Hey, on s'envole. Stylé. Oh, attends-moi, non. On apprend à se débrouiller. Ah. C'est ce qui fonctionne pour moi, Sargento. Ah. Vous trouverez ce qui fonctionne. Est-ce qu'on peut essayer de faire voler le camion avec. Pour l'instant, occupez-vous seulement de nous amener au point d'extraction. Extraction? Putain de merde! Faut que je les appelle! On fait tout péter! Tiens, petit ballon. Petit ballon en calme. Technique de la mitrailleuse. Ok, tout corps ici à ma extraction demandée à la station Bravo. À la station Bravo, on en a parlé. Pas besoin d'armée de. Non, on est sûr comme. Okay, okay. Comment, comme ça? Hey, ça va pas. Explique-moi, tu fais quoi? Ça va bien se passer. La première mission va devoir faire face à. De léger contre-temps. Tous les jeux. Ils sont toujours là. La pick-up est orange. Excuse-moi ce que tu fais. Ouais. Tu descends de ta moto. Pas. Je sais pas. Ça a l'air seuleur. Pas. Pouh. Hop là, tu viens avec moi. Bisous. Ah, qu'est-ce que tu
tu fais? Tu m'expliques qu'est-ce que tu fais là? Eh ben tu fais rien du tout. J'y suis presque, Rico. Comment je m'en sors? C'est plutôt pas mal. Réglez ces contretemps et vous pourrez devenir un véritable chef des opérations pour l'armée. Mais je vais être dans la merde. Quoi, 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 quoi. Tu descends. Vous savez quoi? On y est dans la merde. Ouais, je crois qu'on y est. Regardez ça. Tu gères de ton véhicule. Ah, ils sont pas très futés, eux. Dès qu'il sort de sa caisse, je me casse. On est arrivé, mais l'équipe d'extraction est pas encore là. Ah, désolé, civil, hein. J'ai pas. On doit les retenir jusqu'à pas fait exprès. Qu'est-ce qu'on a dans ces doigts? On peut récupérer ses réserves. Wow, sniper, c'est bien, mais. Lance-grenade, c'est plutôt pratique. Reculez, quoi. Je pense que le camion a des problèmes. Ouais, il a bien été touché. Toi, je te mets un petit ballon. Voilà, allez, bisous. Bisous. Tu fais quoi, je... Hey, ça va bien? Je suis seul. Attends, on prend les mines. Vous vous en sortez bien. Ça va? Pas passe la belle vie. Oh, les ballons, c'est trop kiffant. Oh, les ballons. Ils volent. Toi, ton véhicule, il va se faire voler. Et on décolle. Vas-y, bisous. Bisous, hein. Dave, reprise de volée. Oui. Hey Rico, je vous ai entendu. Je travaillerai derrière les murs. Dans une armée, on se serre les coudes. Oui. Mais vous croyez que je pourrais vous appeler pour m'aider à entraîner de nouvelles recrues? Bien sûr. Oh, les ballons, je crois que je vais me faire un petit kiff. Je vais essayer de tenter. Wow. Et des sergents des opérations d'entraînement et de contre-espionnage sur la carte. Lourd. Ah, du coup, c'est fou. Hey. Billy. Miskin le blindé. Grenada. Grenada. Hop là, toi tu... Non, je t'ai dit quoi? Je t'ai dit tu t'envoles. Je vais un peu éparpiller un peu partout les ballons. Comme ça. Tu fais quoi, je t'ai dit? Sbru. Par contre, je sais toujours pas comment on fait pour changer d'arme. Allez.
Il est toujours là, lui. Hey, ça va? Ça va quoi? Ça va? Il se passe bien. Et c'est trop kiffant ce jeu. Ah. Allez, bisous. Bisous. Dude. Oh ça c'est lourd ça. Ah. Hey Johnny, donne-moi ta moto. Dude. Oh, on peut faire deux croix avant. Deux croix arrière, pardon. Je me trompe toujours. C'est lourd. Explique-moi ce que tu fais. Oh, par contre la caméra c'est un peu... Non mais j'ai rien fait. J'ai rien fait. Arrêtez de marceler là. Bon attends, wow, calme. Mais calmez-vous. Ah, je suis tombé où là? C'est les potes en plus. Ouais, excuse-moi. Mais bon. Comment on fait pour tirer? Tais-moi. Bon les gars, je pense qu'on va se laisser là. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche. N'oubliez pas ça. Hop. Et salut.